Organisée par le Fonds des Nations Unies pour la Population, la Conférence internationale sur la population et le développement a accueilli au Caire les délégations de 182 pays. Son objectif était l'adoption d'un plan d'action sur 20 ans pour tenter de freiner la croissance de la population mondiale. Actuellement, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, est de 3,2 en Asie, 3,1 pour l'Amérique latine, de 6 enfants par femme en Afrique et enfin de 1,7 en Europe. Les travaux de la conférence ont donné lieu à de vives discussions sur l'avortement et la sexualité. Michel Lévy, démographe, a participé au débat. Il fait le point sur cette polémique. Dans le texte soumis aux congressistes, il y avait cette notion qu'il fallait évidemment diminuer le nombre, supprimer les avortements à risque, ce qui supposait qu'il y avait des avortements sans risque. Et c'est cette notion d'avortement sans risque qui était vivement combattue par le Vatican et par quelques pays qui suivent les instructions du Vatican et qui niaient l'existence même de la possibilité d'un avortement sans risque. Il y a un délégué qui a même dit « Parler de l'avortement légal, c'est comme si vous parliez du viol légal. » Voilà. Alors ça, c'était sur l'avortement. Il y avait, disons, le Vatican contre un certain consensus international. Pour les questions aussi bien de l'éducation sexuelle des adolescents que des formes diverses de familles, ça, c'était plutôt les pays musulmans que ces notions gênent et qui contextent, ils disent que c'est une vision occidentale des choses et qu'il n'y a de famille que la famille reconnue par le mariage et dont les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants et que ce n'est pas à l'État ou aux Nations Unies de décider quelle éducation on doit donner aux enfants, aux adolescents. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une position française au cours des débats ? Il y a une position française. Simplement ici, elle était tenue par les règles de l'Union européenne. Les 12 avaient convenu, étaient convenus avant la conférence de ne parler que d'une seule voix. Il se trouve que la présidence, pendant le semestre où se tenait la conférence, était exercée par l'Allemagne. Et donc, avant chaque séance, les 12 se réunissaient et chargeaient les Allemands de défendre la position de l'Union européenne. Concertés en commun. Donc il n'y a pas eu de voix française particulière pendant cette conférence. Par contre, disons, dans les couloirs et dans les déclarations officielles, il y a au moins, disons, des nuances. Éduquer en général, apprenez à lire, diminuer le nombre d'analphabètes dans chaque pays et la baisse de la fécondité suivra, alors que dans la tonalité américaine et scandinave, il y a plus d'éducation en matière de sexualité, en matière de procréation. Voilà. C'est donc des nuances. Il ne s'agit pas de s'opposer, mais il y a une nuance française. Finalement, à l'issue de ces travaux, est-ce qu'il y a eu un gain, un progrès important fait par cette nouvelle conférence par rapport à la dernière en 84? C'est une occasion pour de nombreux petits pays de faire connaître leurs problèmes. Tous les pays issus de l'ancienne Union soviétique ont fait connaître leur... ils étaient nouveaux dans ce genre d'aréopage et ils ont fait connaître leur approche de ces problèmes. Et donc il y a une sorte de formation collective de l'ensemble des pays qui ne peut être que positive. Sonam, son prénom, veut dire longue vie en tibétain. Sonam est la fille de Marc Battard, un très grand alpiniste français. Le mois dernier, ils sont partis tous les deux en expédition au Népal, un petit pays niché au cœur de l'Himalaya. C'est l'histoire écrite dans son carnet de voyage que Sonam nous raconte maintenant. Après avoir passé 2 jours à Katmandou, nous sommes partis en avion pour Lukla, un petit aéroport dans la montagne. La piste d'atterrissage n'est pas très stable. Après, nous sommes partis pour plusieurs jours de marche en remontant la vallée de l'Everest.
Pour porter notre matériel de montagne, nous avons embauché 3 porteurs, dont Taki, un ami de mon père. Chacun d'eux est capable de porter jusqu'à 40 kilos. Ils n'ont pas de sac à dos, mais une hotte qu'ils portent avec une lanière qui leur passe sur le front. Ils ne sont pas beaucoup habillés et ils ne se plaignent jamais du froid. Les porteurs gagnent environ 18 francs par jour. Ce n'est pas beaucoup pour nous, mais pour eux, c'est un bon salaire. Ils sont très forts et ils commencent très jeunes. Il y en a même qui ont mon âge. Le soir, quand nous ne dormions pas chez des amis de papa, nous dormions dans des lodges. Il s'agit d'une sorte de refuge où l'on mange et l'on dort, dans des dortoirs ou avec les habitants. Malgré le feu, il fait souvent froid dans ces maisons car la chaleur part par le toit et les gens oublient souvent de fermer la porte. Heureusement, nous avons de bons sacs de couchage. Les enfants sont très libres et ils s'amusent beaucoup dehors. Les parents n'ont pas peur qu'ils se fassent mal car il n'y a pas de voiture et ils ont l'habitude de se promener en montagne. Quand ils rentrent à la maison, ils sont très sales et ils font leur toilette dans des cuvettes en métal et l'eau ressort noire. Hey, Concha. Le long du chemin, il y a beaucoup d'inscriptions religieuses graffées sur les pierres. Ce n'est pas la même religion qu'en France. Ici, c'est le bouddhisme. Quelquefois, il y a des roches complètement recouvertes de prières. Il faut toujours les contourner par la gauche, sinon on risque d'attraper un mauvais sort. C'est seulement après 8 jours de marche que nous avons atteint le pied de la face que papa veut observer. Nous sommes déjà très haut et aujourd'hui, nous avons dépassé l'altitude du Mont Blanc. À 5000 mètres, c'est très difficile de respirer car il y a 2 fois moins d'oxygène dans l'air. Quelquefois, j'ai eu un peu mal à la tête. Dans ces cas-là, nous nous arrêtons pour que notre corps s'habitue à l'altitude. Au pied de la face, nous avons installé la tente dans laquelle nous allons dormir à 5300 mètres. Ce matin, nous nous sommes levés de bonne heure pour partir en direction d'un sommet d'environ 6000 mètres que papa veut me faire faire avant de redescendre. Après 3h30 de marche, nous sommes arrivés à un col très enneigé où nous avons dû nous encorder et mettre des crampons. Ce n'est qu'une demi-heure après que nous avons atteint le sommet. J'étais très contente et papa aussi. Bisous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à redescendre. Il nous faudra encore 5 jours pour atteindre l'aéroport de Lukla. Ça, c'est le côté moderne, industriel et informatisé de l'imprimerie. Mais cette profession peut se pratiquer de façon très différente. Dans un quartier de Paris, voici un atelier artisanal, celui d'un imprimeur qui utilise une technique ancienne, la taille douce. Ils ne sont plus que 50 en France à travailler de la sorte, en étroite collaboration avec un graveur. Bon, la taille douce, ça date de Gutenberg, on peut dire, puisque c'est une des premières façons d'imprimer. Bon, il y a Dürer qui a été maître dans la gravure. Et déjà, il avait toutes les techniques à base d'acide, de burin, et il gravait sur acier, déjà à l'époque. Ça, c'est la première planche qui sert à faire le fond pour faire l'image complète. Alors, il y a 2 couleurs, un blanc et un bleu. Voilà. Et maintenant, on fait tourner la machine pour que la pression fasse imprimer le papier. Alors, on s'arrête à
à la fin de la planche, de façon que la feuille reste coincée sous la machine, ce qui permet d'enlever la première planche et de remettre la deuxième au même endroit avec plusieurs couleurs. Voilà, ça c'est donc l'impression du deuxième passage. Là, on enlève donc la deuxième. Et on met la troisième planche qui est avec les noirs pour terminer. Voilà, là vous avez tout le gaufrage qui est sorti et l'épreuve est terminée. Les tirages sont numérotés, donc sur 50 exemplaires, 100, 150, mais quand le tirage est épuisé, c'est-à-dire est arrivé au nombre qu'on voulait, les cuivres sont rayés pour qu'ils ne puissent plus servir. Le palais Tazi à Rabat est une des plus belles demeures de la capitale du Maroc. Habitée par la famille Tazi, la mère, les filles et le fils, elle s'étend sur plus de 4 hectares. Sous l'impulsion du maître des lieux, Fouad Tazi, le palais Tazi ouvrira bientôt ses portes au public. 140 ouvriers travaillent dans la plus pure tradition artisanale marocaine à l'extension d'un site dont la construction remonte au début du siècle. Dans un jardin qui était le jardin du recul du palais Tazi, qui a été édifié par mon grand-oncle Hajj Omar Tazi et qui était construit au début du siècle, qui a mis 16 années pour être construit, qui n'est pas terminé. Et c'est de là que me vient cette idée de bâtir et de continuer son idée. Et si on veut, le fond de sa pensée qui était de toujours garder l'axe dans l'architecture et la culture marocaine et la richesse de l'artisanat. Parce que lorsqu'on voit les développements du bâtiment, c'est parti d'un bâtiment assez austère et il s'est développé à fur et à mesure. Et là, c'était le jardin. Au milieu de ces jardins, un restaurant puis un complexe hôtelier et commercial viendront bientôt constituer un pôle de rencontre de luxe et de charme pour le tourisme ou pour les affaires. Grâce aux soins apportés à l'architecture et à la décoration, toutes d'inspiration traditionnelle, le Palais Tazi entend être une vitrine du savoir-vivre marocain. Collégiens, lycéens, étudiants, ils ont été des milliers à descendre dans la rue. Leur révolte, refuser le SMIC jeune, le faible salaire que le gouvernement leur proposait pour le premier travail après leurs études. Mais ces manifestations ont souvent dégénéré en vraies bagarres. Vitrines cassées, affrontements entre jeunes et policiers. Dans tous les cas, ces jeunes ont voulu crier leur inquiétude pour leur avenir. Ils voulaient exprimer leur colère, parce que comme ils ne gagnaient pas assez alors qu'ils faisaient des études et tout, alors... D'accord, on peut manifester son mécontentement, mais on peut faire ça normalement, sans casser. Et je pense que les casseurs,
et ils en ont profité. C'est pas les manifestants qui cassent les vitrines et les choses comme ça, c'est des personnes qui profitent du mécontentement des lycéens et pour casser, mais les manifestants ils sont pour rien, c'est pas eux qui cassent les vitrines et qui volent des choses. Quand nous, on fait des manifestations où il n'y a pas absolument pas de casse, ils nous écoutent pas et ils en parlent dans aucun journaux, ni à la télé, ni à la radio. Mais quand il y a de la casse, ils en parlent partout. Déjà, si là, ils commencent à casser les vitrines, nous, qu'est-ce qu'on fera? Moi, je pense que s'il y avait du travail, ça se passerait pas comme ça du tout. Le chômage, c'est la principale inquiétude aujourd'hui. Pas un jour sans qu'on apprenne la fermeture de sociétés, des vagues de licenciements et de moins en moins d'offres d'emploi. En 20 ans, le nombre de chômeurs en France est passé de 300 000 à plus de 3 millions. Principales victimes, les jeunes. 1 sur 4, entre 15 et 24 ans, ne trouvent pas de travail. Ce qui serait génial, c'est qu'on puisse caser tout le monde. Le problème, c'est que les grosses sociétés coulent les petites. Donc, comme ils sont plus grands, ils peuvent produire plus de choses. Alors, ils préfèrent les vendre moins cher, comme ça fait plus de clientèle. Moi, je dis qu'il n'y aurait pas autant de chômage si on avait gardé les façons manuelles, parce que maintenant, ils ont tout remplacé par des choses électroniques. Et si on voit, ils commencent à revenir à la façon dans l'ancien temps. On veut se compliquer la vie en inventant des machines. Et nous-mêmes, ça nous fait... Ça nous complique la vie. On dit que les Maghrébins ou choses comme ça nous prennent le travail dans le métro, par exemple, quand on voit ceux qui nettoient le métro. Tout ça. Mais moi, je pense que si, c'est aussi les Français qui ne veulent pas accepter des petits boulots de ce style. Moi, je pense que si j'étais au chômage, je prendrais n'importe quel emploi. Hein, parce que même je ne regarderais pas tellement le prix qu'on me donne, je ferais n'importe quel travail. Et puis aussi, ce qu'ils devraient instaurer, c'est des groupes d'apprentissage. Parce que les jeunes qui n'ont pas fait d'études, et bien comme ça, ils pourraient peut-être apprendre un métier. Sans bac, on peut rien faire, hein, on n'arrivera nulle part. On sera orienté, classé dans une certaine partie de la société, mais sinon, on n'a pas de travail. Ils exigent des qualifications pour chaque métier. Maintenant, même quand on a son bac, ça sert pratiquement plus à rien. Il faut aller beaucoup plus au-dessus, même quand on veut faire juste un petit boulot, un truc comme ça. C'est beaucoup plus dur qu'avant. En fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont 5-6 ans d'études après le bac et qui trouvent même pas de boulot alors qu'ils pourraient être ingénieurs. Alors on sait plus très bien quoi faire, on sait plus si on doit faire des études et si on doit pas en faire. J'ai essayé de montrer à travers les œuvres le lien qui pouvait exister entre le corps de chaque individu et les objets qui servaient d'ornementation, c'est-à-dire aussi bien les objets portés comme les bracelets, les colliers, les torques, les coiffes ou les signes qui sont gravés à même la chair comme les scarifications qui sont parfois colorés de brun, de rouge, d'ocre ou de blanc. Les ornements, que ce soit les scarifications ou les objets portés, avaient une fonction symbolique, bien sûr, mais aussi une fonction sociale. C'est-à-dire que certains signes étaient faits soit à l'occasion de la puberté pour les filles, même les garçons, et ces signes étaient précurseurs de la situation dans le futur. Lorsque, par exemple, une femme était enceinte, elle pouvait porter sur son corps les signes qui correspondaient à l'état futur de cet enfant, en espérant que ce soit soit une fille, soit un garçon, et aussi signe de bien-être pour l'individu, celui qui existait déjà pour les vivants et celui qui était prêt à naître.
ces signes étaient liés à une fonction, je dis sociale, mais aussi de pouvoir, parce que les rois, les chefs et les devins, par exemple, avaient des signes très particuliers qui permettaient aux autres de reconnaître leur fonction. Au premier regard, par exemple, une coiffe, la coiffe d'un chef, d'un roi, pouvait être ornée de façon plus sophistiquée que celle d'un homme du commun. Qu'on emploie chez nous, hein, vraiment pas du tout. On est responsable de notre bateau, c'est sûr, mais dans le fluvial. Et c'est complètement différent. On ne peut pas assimiler les deux métiers ensemble. On est à la fin des îles et on va rentrer à l'intérieur des îles, mais dans l'autre sens. Et maintenant, nous sommes à Valan. On va dans le même sens que la rivière. À certains moments, on utilise ce qui est le meilleur pour aller au maximum de la hauteur du niveau d'eau pour passer sous les ponts. Effectivement, il y en a certains qui préfèrent arrêter. Ce qu'il faut penser aussi, ce n'est pas un bateau qu'on conduit, il n'y a pas que ça, il y a les passagers à bord. Donc il y a un niveau, il faut être sûr de soi-même. Il a fait des astuces à montrer, il a fait des trucs. Parce que des fois, on arrive en pleine navigation, il y a plein de navigation, on fait une manœuvre. Et lui, il a touché une astuce, c'est-à-dire, fais de l'arrière, fais ci, fais ça. Et il a toujours un petit truc, comme les vieux marins dans le temps, qui vous montraient des choses de métier. Il a toujours un petit truc qui sort de lui-même, quoi. Depuis Créteil de Troyes, on pense que c'est ici qu'ont eu lieu les légendes arthuriennes. Hein, en fait, Créteil de Troyes était un écrivain qui était commandité par Henri II d'Angleterre, qui se voyait roi des deux côtés de la Manche. Et Henri II a voulu que toute la mythologie arthurienne, qui normalement se situait au Pays de Galles et en Cornouailles, soit transposée en Bretagne. En Bretagne, tout près de Rennes, la forêt de Brocéliande est un endroit magique, un lieu habité, comme on dit, chargé d'histoire et de légendes.
Cette région a souffert. Le feu, tout d'abord, qui l'a détruite en grande partie. Ensuite, la convoitise de l'homme qui l'a grignotée. Sa superficie actuelle est réduite à 8000 hectares. Un programme de reboisement d'une durée de 5 ans est engagé depuis 1991. Mais il fallait autre chose, un geste symbolique, c'est ce qu'a fait une petite équipe de bénévoles réunis autour d'un sculpteur. Après l'incendie de 1990, ce que j'ai voulu dire, c'est on ne brûle pas des centaines d'hectares dans la forêt de Brocéliande sans que cette forêt réagisse par quelque chose de fou. Ce geste fou, c'est cet arbre recouvert d'une feuille d'or. Une première fois, il a été planté au milieu de 5 chênes calcinés. Des vandales l'ont abattu. Cette opération vient d'être renouvelée. Cette carcasse dorée qui dresse dans le ciel ses branches dénudées symbolise la renaissance de la forêt de Brocéliande. Il y a un enfant qui m'a dit, l'arbre en or, il est là, parce que si le feu revient, il aura peur, il se verra son image dans l'arbre d'or, il aura peur, il s'en ira. Durant l'été, le parvis de la Défense est devenu un immense stade. De nombreux jeunes qui n'étaient pas partis en vacances ont pu y découvrir toutes sortes d'activités. L'esprit de Planète Sport, c'est avant tout permettre aux jeunes qui ont découvert une activité sportive sur le CNID de la Défense de pouvoir retrouver cette activité, de la découvrir d'une part et de la retrouver dans des clubs qu'ils pourront trouver auprès de leur ville. Attention! Top, c'est parti! On y va! Allez, là, là, là! Je crois que j'ai l'impression que c'est les meilleurs qui t'entraînent. Top! Sandrine, 8,88 sur le côté droit. Des chaussettes, 2, t'enfiles bien ton pied, et 3, tu fais des croisillons corrects. C'est parti. Je trouve qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui viennent sur Planète Sport, mais notre volonté, c'est par la suite de pouvoir mettre en place des structures permettant d'aller vers les jeunes. Le résultat, il est sous vos yeux, regardez. Il y a plein de jeunes, ils sont ravis, ils sont heureux, et on a envie d'aller beaucoup plus loin. C'est parti.